Tu as parlé de vol en Himalaya, ça m'intéressait, c'est dans mes questions, on peut en parler maintenant. Tu es parti du côté du K2, c'est ça? Hein, de la Karakoram et tout Ouais, ça, hein? tout à fait. Là, je viens de revenir d'une expé qui était certainement une des plus intenses de ma petite vie d'aventurier, Oh, tu m'étonnes. où en fait, je suis allé 6 fois au Pakistan ces dernières années. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas parce que c'est probablement un des meilleurs endroits au monde pour voler en parapente. Ah oui, C'est un pourquoi? petit peu bah, le décor, quoi. C'est, je dis toujours, c'est un peu comme Hawaï pour les surfeurs ou l'Alaska pour les skieurs, tu vois, Pakistan pour la taille de ces montagnes, pour la puissance des conditions de vol, tu vois, les altitudes que tu peux atteindre, les distances que tu peux faire, c'est de loin ce qui se fait de mieux, avec probablement l'Inde, l'Himalaya chinois peut-être, mais on ne peut pas encore trop y mettre les pieds. Mais c'est toute une région qui est juste exceptionnelle. Tu vois, tu dois imaginer que c'est les Alpes et tu multiplies tout par trois en termes de hauteur, de grandeur, d'altitude. C'est juste un autre niveau. Et donc, on y retourne d'année en année parce que c'est ce qui se fait de mieux et puis c'est ce qu'il y a de plus engagé. Et cette année, on y est allé avec l'idée d'être les premiers à voler le K2, à voler sur le K2, à atteindre le K2 en vol. Et on avait secrètement l'envie d'essayer de battre le record du monde d'altitude. Donc, on voulait tenter de passer la barre des 9000 mètres.